Shimakara, Princess Kini! Wow, Kenny's a Japanese princess. Woo! Qu'est-ce qui rend l'animation japonaise à ce point reconnaissable? Recollons les morceaux ensemble. Siècle, au cœur de l'ère Edo, sur les traces de Ohei, la mystérieuse troisième fille du plus célèbre des peintres japonais, Hokusai. Plus qu'un biopic érudit, le film d'animation Miss Hokusai est avant tout un dessin animé qui nous parle de dessinateur et d'animisme. Une adaptation de manga au sujet de l'homme réputé avoir inventé le concept même du manga. Au cours de la réalisation de Miss Hokusai, j'ai constaté qu'il y a un vrai point commun entre les estampes japonaises et la fabrication de films d'animation japonais. À l'époque des estampes, c'était des éditeurs qui passaient les commandes aux dessinateurs, les peintres faisaient des dessins de base, et une fois que l'éditeur donnait l'accord, on passait à la vraie fabrication. Donc, c'est ce travail collectif, en fait, qui ressemble énormément à la fabrication des films d'animation japonais d'aujourd'hui. Et pourtant, Hokusai semble assez éloigné de ce graphisme si particulier du manga, qui fut malheureusement mal accueilli par l'Occident des années 70 à 90. Si on devait identifier une ou deux personnes clés dans la forme de ce qu'est l'animation japonaise aujourd'hui, il y aurait clairement Osamu Tezuka, donc le père du manga et aussi le père de l'animé japonais, en tout cas surtout dans séries télé. La première série d'Astro Boy, qui est vraiment la première série d'animation télévisuelle japonaise qui a été produite, si ma mémoire est bonne, en 1963. Osamu Tezuka, ce sont ces fameux yeux de bébé, énormes et aux pupilles vives. Un principe visuel emprunté à Walt Disney, mais que l'Occident va tout de même moquer et fustiger comme étant une tare typiquement japonaise. Au niveau design, les gros yeux, c'est aussi vachement pratique pour faire passer les émotions. Et c'est vrai que l'animation japonaise, c'est aussi privilégier, c'est-à-dire faire ressentir les émotions sans animer les personnages. Donc ça va être travailler le posing des personnages, donc travailler le dessin de la position du personnage. Quand il y a des gros plans sur des visages, en général, c'est très soigné. C'est vraiment éviter d'animer, en fait, faire passer l'émotion et le sentiment de réalisme sans animer de manière réaliste. Éviter d'animer. Voici sans doute le cœur du malentendu. En plus d'un graphisme jugé trop souvent invariable, l'animation japonaise a eu à faire face à la pire des accusations, celle de n'être tout simplement pas animée. En quoi cette accusation repose sur un fait constaté? Et surtout, pourquoi cela fut autrefois un problème qui n'en est plus un aujourd'hui? L'animé japonais va débouler sur les chaînes occidentales coincées entre de multiples programmes américains bon marché. À cette époque, les fantômes de la Seconde Guerre mondiale sont encore très présents dans les esprits et l'Europe choisira spontanément son allié Yankee en pointant le bellicisme de la machine de guerre nippone. Cependant, le Japon est en train de gagner cette bataille-ci par la diversité et l'abondance de ses programmes animés. À l'époque où les séries télé d'animation ont commencé, il fallait diffuser toutes les semaines un épisode. Donc à cause du manque de temps, c'était impossible d'animer 24 images par seconde. C'est pour ça qu'au Japon, l'image est devenue plus statique que l'animation étrangère. Bonjour mon garçon, je vous en prie, asseyez-vous là. D'accord.
Et donc, finalement, cette forme, qui est née de contraintes, est devenue une esthétique à part entière de l'animation japonaise. Il faut absolument que j'atteigne cette chaise à temps. En descendant parfois à une moyenne de 7 à 8 images secondes, ces programmes vont être désignés comme de la câblotte. C'est encore l'époque où le Japon est vu comme l'industrie qui imite mal la manufacture occidentale. No wonder this circuit fails. It says made in Japan. What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. Mais ce que peu de gens réalisent à l'époque, c'est que ces dessins animés japonais trouvent leur influence ailleurs que dans le monde de l'animation. Ils ont gambergé en fait pour utiliser au mieux les cadrages et l'influence du cinéma pour travailler la mise en scène, les angles de caméra, la profondeur, enfin c'est des trucs de base en fait, mais ils les ont vraiment poussés au maximum en s'inspirant donc du cinéma pur pour vraiment donner une image qui est puissante alors qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. Roger Moore? Roger Moore? Yeah, okay. Roger Moore. Okay. Ou alors il y a beaucoup de plans où les personnages ils vont avoir la main comme ça, on va les voir un peu de côté ou de dos et du coup ça donne vraiment quelque chose d'intéressant visuellement, ça évite d'animer des choses. Close your hand. Yeah. Close it. Yes. Close your face, please. Yes. Close my face. Yes. Sorry. Okay. Une recherche de l'impact systématique par des trucs et astuces qui jouent sur l'optique et notre façon de décoder les images. Mais aussi l'importance du layout, la composition scénique avant l'animation, qui donnera aux Japonais une avance considérable sur leurs concurrents. Enfin, ces travailleurs anonymes, que l'on désignait à une certaine époque comme un peuple de fourmis, vont mettre un coup aux méthodes de travail occidentales. Une personne, un artiste, est en charge de l'ensemble de ce qu'il y a à l'écran, le décor, des fois les effets spéciaux, tout. Alors que souvent aux États-Unis, pendant longtemps, notamment dans le long métrage, c'était une multitude de personnes qui s'occupaient d'un plan, voire d'un personnage. Donc voilà, au Japon, il y a vraiment un animateur égale un plan. Ainsi, l'animation japonaise va dominer par son pragmatisme plutôt que par la quantité de dessins produits. Et au tournant du siècle, on découvrira avec stupéfaction que c'est dorénavant elle que l'Occident imite. On croyait avoir affaire à un affrontement, il s'agissait en fait d'une proposition artistique. Un partout, balle au centre. You all make me sick. What doesn't make you sick, Paul? Besides your own work. Would you really like to know? Au 19e siècle, les techniques du maître Hokusai avaient eu un impact déterminant sur la peinture occidentale à travers Gauguin, Monet, Sisley ou Van Gogh. Paul Gauguin. Aujourd'hui, ce lien artistique que l'on trace du Japon à l'Europe perdure. L'art du mouvement de l'anime nippon s'est marié à nos propres conventions, prouvant, si besoin était, que la culture n'est pas une affaire de confrontation. Elle est une course vivifiante à travers ce chaos où les idées se dissolvent et coagulent.